Alors en 2009, nous sommes venus voir le spectacle Casimir et Caroline, mis en scène par Johann Simons, ici, et c'est toi qui avais choisi. En fait, on tenait absolument à voir un spectacle dans cette cour d'honneur. Et on s'était dit, quitte à avoir un spectacle, autant qu'il soit le plus impressionnant possible. Et en fait, on avait choisi ce spectacle parce qu'on savait que le metteur en scène avait pour habitude de faire des scénos très monumentales, très impressionnantes. Et on s'est dit, bon, autant aller voir un truc qui pète. Et du coup, voilà. Et du coup, on n'a pas été déçus. On est arrivé, il y avait un espèce d'immense échafaudage sur toute la scène qui faisait 5 étages. Il y avait une voiture. Il y avait des lumières très criardes, fluo comme ça. Il Il y y avait avait un un groupe groupe qui jouait en musique, enfin de la musique en permanence. Et en effet, on est très On se impressionnés, dit, ça donc commence super bien, quoi. impatients que ça démarre. Et Donc puis voilà. ça commence et ça n'en finit pas de commencer en fait. On commence à s'ennuyer, on sent que le spectacle patine. Enfin, Ouais, ça se court après, ils c'est n'arrêtent pas de faire compliqué, des quoi. allers-retours sur Ça l'échafaudage fait et plein ça de bruit. s'essouffle, ils courent après le Ouais. texte et Et puis on n'entend pas très bien, on est placé vraiment dans le fond là-bas, donc on n'entend pas bien, et puis en plus, c'est pas. ils jouent la pièce en français alors que Ouais. c'est une compagnie flamande. Et bref, ça prend pas du tout, On quoi. s'ennuie, quoi. Et on attend. Moi, je me dis que peut-être qu'il va se passer un truc, donc Et voilà. non, non. Et donc, moi, à un moment, je commence à sentir des gens qui partent, ceux qui sont sur près des escaliers, parce que c'est plus facile, ça fait moins de bruit. Et du coup, je me dis que je ferais bien pareil. Et je regarde Elena, mais j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de faire du bruit, parce que c'est déjà dur à entendre. Et alors, j'ai l'idée d'écrire un petit mot, comme à l'école, quoi. Alors, je vais dans mon cartable, dans mon sac, et je lui note, on se casse. Et alors moi je lui prends le petit mot, je lis ça et je lui réponds aussi, j'aimerais bien, mais comment faire? En fait, on est coincé au milieu d'une rangée, on va déranger tout le monde. Et aussi, on doit attendre un copain, Philippe Couture, qui lui est québécois et qui est au premier rang parce qu'il est journaliste Ouais. et il doit écrire un papier et Donc on donc il sait doit qu'il va rester rester jusqu'à jusqu'au la bout, fin. ouais. Donc on se dit, on va attendre et on continue à s'envoyer Des petits des mots petits pour s'occuper. commentaires sur la pièce pour passer Voilà. le temps. Et c'est à ce moment-là qu'y a un type qui descend les escaliers en faisant beaucoup de bruit. Et qui s'arrête à Jardin, en plein milieu, et qui hurle « Mange ton caca !» Alors, ça jette un froid, Mange ton on caca. comprend pas trop, en fait. On se dit est-ce qu'on a bien compris? Il s'adressait aux acteurs et ça les a vraiment. Et ça a déclenché une espèce de bordel incroyable. Les Il y a gens se plein de sont gens. levés, ils ont Ouais, commencé à crier. gueuler « C'est de la merde, on t'avoue !» Et Et là, à ce ça... moment-là, je me souviens d'un des comédiens qui a regardé les autres et qui a fait, qu'est-ce qu'on fait, Il y quoi? avait une hémorragie de spectateurs, ça sortait de partout, Ouais. c'était assez dingue. Nous, on s'est levé, on en a profité, on s'est dit, c'est super, c'est le moment d'y aller. Et à ce moment-là, il y a un autre comédien, le spectacle était arrêté en quelque sorte, et il y Ouais, a un autre ça fait comédien bizarre, hein, d'arrêter un spectacle. Enfin, moi, qui est j'étais un peu mal à l'aise sorti, quand même. et lui, il leur a ordonné de continuer, et en On y fait, va. le spectacle a repris, mais bon, nous, on est allés dehors. Et là, curieusement, personne, tout le monde est resté autour du palais en Ouais, les fait. gens étaient Personne n'est très sorti. excités d'avoir vécu ce scandale comme ça, cette espèce de Et moment un peu unique. on a commencé à discuter avec les gens. On était potes avec tout le monde et nous, ça nous arrangeait C'était bien parce super que d'ailleurs. ça nous a permis d'attendre Philippe. Et quand Philippe est sorti, moi je voulais en fait, j'étais curieuse de savoir comment le spectacle avait repris après un tel truc. On s'est dit mais Ouais, ou est-ce qu'il qu'est-ce s'était qui passé se... quelque chose? Et puis il a dit non, c'était toujours si plat. Donc nous, ça a quand même On provoqué a. un gros questionnement. On s'est dit Ouais. qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on Parce fait que quand on lui. s'ennuie dans un spectacle? Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on Oui, c'est doit ça déjà. rester? Est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut faire savoir qu'on n'aime pas comme ça en faisant du bruit? Est-ce qu'on n'impose pas un peu son point de vue aux autres? En tout cas, ça a été Ou quelque est-ce chose que. Enfin. de très marquant. Ouais. Et aussi pour Philippe, qui lui, donc est québécois de Montréal, C'est c'était une expérience impensable. Ouais, incroyable parce que parce que là-bas, c'est juste un truc impensable, quoi. impossible, on sort Public pas, réagit pas, on reste ça se fait tranquillement sur pas. son siège. Et Voilà, mais enfin voilà, voilà, ça on continue reste encore toujours à en discuter une aujourd'hui, ouais. question non résolue. Voilà. Voilà.
Bonsoir. Je suis l'acteur qui jouait le rôle de Schürzinger dans le spectacle de Casimir et Caroline. Et à ce moment, on est à la moitié du spectacle et je suis au cinquième étage de cet échafaudage. Alors, beaucoup plus haut qu'ici, quelque part là-haut. Et oui, je suis comme une statue. Je ne parle pas car mon personnage est intimidé par la scène qu'il voit en bas. Cette scène finit et puis il y a un silence d'une dizaine de secondes avant que Reinhardt, l'acteur qui joue Rauch, s'adresse à moi. Mais tout d'un coup, il y a un mec tout à l'arrière du public qui se met debout et il commence à crier, à insulter que c'est nul. Que c'est vraiment nul. Mais merde! Mais c'est à chier! Mais c'est honteux ce que vous faites là! Oh! Mais nous sommes un avion quand même, hein! C'est notre coup d'honneur! Ah! Vive la télé! Vive la télé! J'étais si choqué, c'est pas vrai, quoi. Et je suis là encore, dans ma statue de Schürzinger. Et puis, je me suis senti ridicule parce que c'est... Je sais pas, c'est une autre réalité qui rentre et je ne pouvais rien faire. Alors, j'ai attendu. Et puis, il a repris. C'est de la merde! Mais oh! Mais vous voyez pas que c'est de la merde! Mais c'est... Ah, c'est de la merde! Mais dites-moi, c'est de la merde, non? Il y avait des autres gens qui disaient, ouais, c'est nul. Et des autres gens applaudissaient, ben non, c'est magnifique, c'est génial. Ta gueule, allez, continuez. Et moi, je suis toujours là, comme un con. Et puis, je me suis relâché. Et là, c'est le moment où je me fâche moi-même. J'étais si choqué qu'un seul mec pouvait arrêter tout ça, que par son propre égoïsme, il casse quelque chose qui a été créé par tant de gens, alors que moi, j'avais très peur pour mon français, j'avais beaucoup travaillé, mais à ce moment-là, je n'avais pas peur du tout d'utiliser mon français pour l'insulter. Va te faire foutre. C'est toi qui es nul. C'est toi qui es honteux. C'est toi qui es chié. C'est toi qui es de la merde. Va niquer ta mère. Mais je ne l'ai pas fait car je... Je voyais que ça n'allait que remettre de l'huile sur le feu. Et soudainement, Wim, le grand acteur qui joue Casimir, il monte sur scène et il crie « Allez! Jouez !» Et ça, c'était reçu d'un grand applaudissement. Et là, c'est le moment où je savais que ça allait être bien pour le spectacle. Que ça allait reprendre parce que je savais que la première phrase de Reinhardt, mon partenaire, allait être « Très belle soirée, monsieur, n'est-ce pas ?» Et moi, j'ai répondu « Très belle soirée, monsieur le directeur. » Et les gens ont ri. 4 ou 5 personnes ont pris le type et l'ont fait sortir par l'eau des gradins. Et voilà. Tout a recommencé. Et je trouvais que c'était une très belle soirée.